n'a pas d'eau. Pardon ? Ah ben c'est toi qui étais là-bas. Fallait pas y aller. Fallait pas y aller. Toi qui étais. Par contre, quand on sort d'ici. D'accord. Quand on sort d'ici, on va tous là-bas. Je sais, il n'y a plus rien, mais on y va. On va discuter. Donc moi, je vais appeler le maire. Je lui ai envoyé un mail, il m'a répondu, je te rappelle. Le maire, il est en colère. Il est où le chef ? Je sais même pas c'est qui le chef, il nous renvoie comme une balle de ping-pong. Il est là-bas, non c'est lui là-bas, non c'est lui là-bas, il se fout de notre gueule comme à Paris. Prenez la prochaine à droite, vous pourrez passer, t'arrives à la prochaine à droite, elle est bloquée. Ah bah prenez la prochaine, peut-être qu'elle sera pas bloquée. Voilà, arrête. Eh ben non. Eh ben non, elle est bloquée aussi. Ah putain. Bonjour. Il est où, major. Antoine? Il est major. Tiens, il est là, le major. Oh, il est une dame. Mais le capitaine, il nous renvoie vers vous. Il n'y a pas un qui se mouille, mon gars. Ah bah non. C'est hein. Personne ne cherche. Il n'y a plus de chef dans ces moments-là, hein, ça y est. Le chef, il a quitté le navire. Ah bah. Ouais, ok, on se sert tous. Pourquoi pas? Ça. Moi, arrivé à un moment, je vais être prête à tout, je vous le dis, les gars. Arrivé à un moment. La patience a des limites, hein. Je veux dire, on n'est pas des gueux, on n'est pas des gueux, des gueux. On n'est pas des casseurs. Non, ça y est, c'est parti. Si, je crois. Ah, vous partez? Vous partez? Ouais, je veux bien, ouais. Non, mais non plus. Hein? Allez, bouge. Allez, bouge. Allez, bouge. On peut sortir. Ah, voilà. Eh bah putain, on n'y croyait plus. Ouais, bah oui. Ah, ça y est, parti là. Parti bouffer là. Putain, il y en a qui sont payés à rien foutre. Là on se fait mettre par Macron alors. Une nouvelle blague là-bas là. Tiens, ça y est, les blagues qui partent, regardez. Les voitures avant, on les voit. Ouais, je sais, ouais. Ça y est. Ouais, jusqu'à là. Oh, puis il y a du camion avec. Oh, oh, oh. Bon, bah, la prochaine. On se rejoint là-bas, hein. Ça y est, ils sont partis, on les a eus. Ouais, ouais. Le camion, ils ont rejoint. Moi, je suis allongé, putain, je t'appelle bien mon carreau, je t'en. Ta langue, elle a fourché. Bon, c'est quand qu'on sort de là-dedans, là? Bah, ils sont pédés. Ils s'enculent, ils enculent leur femme, ils s'enculent entre eux. Pour ça, ils sont en manque. Bon, ça y est, les bus? On va prendre le bus? Ça y est, il est parti. Oh. Mais non, on va pas le faire. Allez, au revoir. Oh, on rigole. Malheureusement.
Non, on est pas là-bas. Bon, il est arrivé l'ordre ou pas là? On va là-bas. Où sont là-bas? Où on va? À notre endroit. Ah, on peut sortir ou quoi? Ça sert à rien de monter là-haut. Ça va pas tarder. Ça va faire la même chose. De toute façon, tu auras pas y être fêlé. Eh bah quand même, putain. Ah bah vous aussi. Bon courage. Bah ouais, journée. Ça y est, on peut sortir, alléluia. Wouh. Vite avant qu'il change d'avis parce que... Ouais. La liberté. La liberté. Que c'est bon la liberté. Que c'est bon la liberté. Bah je vous remercie pas. Bonne journée. Eh ben voilà. Tout ça pour ça. Bon, il est où l'autre PD maintenant? Et l'autre enculé de Castaner? Il est où Antoine? On aura donné rendez-vous à demain. Bon ben on va aller directement à la cabane du rond-point. On va aller voir ce qu'ils nous ont fait comme misère. Je suis encore parti. On peut toujours pas sortir la voiture. Ouais. Elle est où Véro? Elle est là. Partie ailleurs. Salut, ça va? C'est bizarre, on s'est vu. Ah putain. Maintenant il est où l'autre PD pour qu'il nous laisse partir? Quentin! Ah, il nous bloque là, les PD! Ah, la blague! Oh, c'est une blague! C'est une blague! Fais gaffe, t'as intérêt, là! Quentin! Quentin! Ah, il est gavé là, monsieur! Il est où là maintenant lui? Ce PD de Castaner là? Ah, oui, c'était sympa, moi j'ai discuté avec les autres là. Non. Non mais le nombre qui sont sérieux. C'est ça. Voilà. À gauche, tu dis, t'as pas le droit, à droite, tu dis t'as le droit. Elle est bonne, putain, je vais la garder celle-là. Ça me fait plaisir quoi. À demain. C'est une bonne journée, mais on ne sait pas. Bonne journée. Ah non, c'est clair. Allez, niquez ma matinée. Niquez ma matinée de taf, c'est cool, c'est pas fini. Ah, ils en ont juste un à bouger. On va bien travailler, hein. Bah, je peux pas pour l'instant, je crois. Ah, si, peut-être derrière. Ah, peut-être. Peut-être que je peux passer. Les gens. Il est au centre-ville, là? Ah, oui, oui. Et Benoît. Je dois être en centre-ville. Véro. Nique ta mère, Castaner. Après, je prends. Véro! Véro! Oh putain, t'es sourd, toi! Tu vas où là? Bah, je sais apparemment, pas. Il est au centre-ville. Tu vas ou pas? Regarde, chelou, j'ai l'impression d'être un blague. Non, il y a des chances. C'est le parc qui est pareil, on s'en fout. Bah, tu vas pas y aller, tu vas pas le lapin. Les nouvelles de Géron? Non, on va même pas pouvoir aller jusqu'au centre-ville de toute façon. Même à pied. C'est dégueulasse. Ouais, grave. Vivement, on m'a dit, va à Paris. Bon, bah voilà. Je vais essayer de le retrouver. Je reprendrai le live si je le retrouve. À plus tard. Allô, allô. Mes chers amis, j'espère que vous m'entendez. Donc, comme je viens de l'écrire dans les commentaires, j'ai pris en cours de route donc ce live. Il apparaît que la personne donc travaille chez Leclerc et que c'était sur le parking de Leclerc.
Voilà, je n'ai pas pu en savoir plus. La personne n'a pas l'habitude de faire cet exercice, donc elle a filmé. Elle a été nature, merci à elle d'ailleurs, hein, transmis des images. Je n'ai pas pu comprendre, tout le monde lui demandait où c'est, pour quelle raison. Voilà, on ne peut pas lui en vouloir. Ce que je vous propose, c'est d'aller donc sur son profil. Elle a fait deux lives, elle a dû être coupée. Rediffuser le live d'avant où il s'est passé, c'était chaud. Les gendarmes les ont, j'ai l'impression, un peu coincés. Voilà, je vous mets donc le live précédent, hein, qui a été pas mal donc mouvementé, et après donc vous ferez votre propre idée. Allez, je vous mets ça à l'écran. Peut-être que vous pourrez lire dans les commentaires des informations qui ont été transmises, ou alors avec la voix de la personne qui diffusait. Donc je vous ai mis le lien, c'est Mélanie Ardouin. Je l'ai contactée, mais elle peut pas tout faire en même temps. Elle ne m'a pas encore. Donc voilà, je vais vous mettre à l'écran donc son live précédent, hein, qui m'a fait prendre l'antenne, où c'était pas mal donc mouvementé. Voilà, je mets ça à l'écran. On va regarder ensemble. Si vous voyez donc des commentaires intéressants qui pourraient nous donner des indications sur ce qui se passe, n'hésitez pas. Voilà. Allez, on va essayer de regarder ça, comme je l'ai présenté. On y va. Non, c'était vu à Paris. On est bien là. Oh non, mais. Steph Il a envoyé d'aller chez moi. Ne touchez pas, s'il vous plaît. Vous me touchez, qui est là? Je l'ai filmé, c'est le pote à revue. Ouais, je l'ai. Vous ne me touchez pas, vous n'avez pas le droit de me toucher. Vous avez aucun droit de me toucher, vous ne me touchez pas. Vous ne me touchez pas. Je suis pas sourd, vous ne me touchez pas. Et vous ne me touchez pas. Vous ne me touchez pas. Mais demain, bah, vous ne me touchez pas, c'est tout. Vous ne touchez pas. Je vais traverser la route pour du boulot. Mais plus ça va, plus ça va. Ah non, il va nous envoyer un poil en plage. Ah, mais j'ai besoin de chercher du boulot plus tard, forcément. On avance et on recule. On est sur un parking privé là, vous avez pas à me toucher. Attends, moi j'ai perdu. Bon été! Allez, on y va! Allez, avancez, s'il vous plaît. Pardon, je rentre chez moi. Ah, doucement. Attendez, je suis pris un sandwich. On est sur un parking privé, vous n'avez pas me toucher. On est sur un parking privé, vous n'avez pas me toucher. Vous n'avez pas me toucher. Ah, je suis coincé. Mais doucement. Ah oh, mais ils sont tarés. Ils sont complètement cinglés, ma parole. Il n'y a pas de matricule, mais j'ai tous pris en photo. Mais ils me poussent carrément, mais comme des tous fous. Tous, je les ai pris en photo. Ils n'ont pas de matricule, je les ai tous pris en photo. C'est eux qui attisent la haine. C'est vous qui attisent la haine. Filmez-le, faut les mettre. Eh, hey, surtout, vous regarde quand il arrive. J'ai pas de drapeau. C'est des malades. Ils poussent comme des cons là. Il est costaud, Castaner, à la télé.
On est à Dreux, on attend Castaner. Comment ils sont mauvais! On a aucun droit de toute façon. Comment ils sont morts? Loi, on a aucun droit de toute façon. On n'oublie pas, on pardonne pas. Loi, travail. T'inquiète, je suis là. Allez-y. J'ai droit de reculer là. Allez, ça pousse. Non mais regarde derrière. Ah bah oui, ça allait nous fuir. On est pourris. C'est un four crématoire. Il nous paye la pizza. Il nous pousse un côté. Des moutons, mais c'est des poutons. Il va à la boucherie. Non mais grave, c'est des pourris. Mais comment ils sont trop mauvais. T'as vu la dame qui s'est fait frapper? Franchement, les mecs sont des couilles. Ils sont des couilles, les mecs. Tapez-nous au film. Tapez-nous. Ah, mais de toute façon, ils tapent sur tout ce qui bouge. Hein. C'est nous bien taper connu au film. Quand tu nous vois, ça fera un bel article quand même. Parce que franchement, pacifiste, une femme, elle se fait frapper. Bah franchement, c'est honteux. Après, ils vont dire, mais non, la police, ça te dit rien, ils sont gentils. Ah bah oui, la preuve. Ils tapent tout le monde, la police, à chaque fois. Ah, il y en a des gentils, hein, mais pas tous. Hein. Ils sont pas tous gentils. Ah bah non, il y en a pas beaucoup des gentils. Dans tout ça, je sais même pas si j'ai assez d'une main pour... J'ai trop d'une main pour protéger les gentils dans tout ça. Tu m'étonnes. Non mais c'est clair. On va se retrouver à Corinthe tout à l'heure. C'est à quoi la maison en fait, on peut pas lui poser des prix. Bah c'est plus gentil, tu vois. De ce côté-là, il est plus gentil. Il est plus gentil celui-là. Là oui, là ils sont plus gentils. Ah oui, parce que là-bas ils sont pas gentils là-bas. Ah oui, il est méchant lui. Il est méchant lui. Allez, allez. Fais une randonnée. Yo, prends à droite. Allez. On est accompagné. On va de la main, monsieur. C'est bon, journaliste, vous donnez la main. Je crois que je suis muté pour aller bosser. Hein. Tu m'étonnes. Déteste la police. J'aurais pas dû me garer à ce moment-là. Je suis muté, je peux me sortir.
Ah bah oui. Je suis où, je peux vous dire. Moi j'ai dit, je commence à 10h, les femmes, c'est parti, les morts. Alors, il y a même les paniers à salade. Ouais, le barré m'a fait que je vais être en retard pour le boulot, toi. C'est la manière que c'est parti. Midi. Un sourire. Et voilà. Ça reprend. Tu m'étonnes. C'est clair. Ah non, regarde, ils vont me libérer, je vais partir aller travailler. Ils sont trop mauvais, laisse tomber. Ah bah ouais, regarde, ils vont laisser la place pour que je puisse aller travailler après, ils sont gentils quand même. Et le matériel, là, c'est à nous, là. Faut faire de quoi mal à taper sur la voiture. Il a mis un coup de matraque sur la voiture. Regardez-moi tout ça, c'est un coup de matraque. Il a mis un coup de matraque sur la voiture. T'es sûr? Les amis, j'ai chopé un commentaire qui dit qu'ils sont à Dreux, je vous le colle dans les commentaires. Même pour 300 balles, je travaille même pas. C'est bon, on va pas tuer le castaner là. Non mais grave. Oh là là, on dirait aussi. On va faire comment le selfie d'ici? On va jusqu'où comme ça? Non mais là, on va se retrouver à Cora, cet allure là. Ils ont dit on rentre chez nous. Je peux pas, ils bloquent ma voiture. Ah ouais, on peut pas, mais on peut pas la voiture. Vas-y, on va où? Je commence le boulot à 10h. Il n'y a pas d'abattoir là-bas. Voilà, on nous perd plus les forts, ça coûte notre accès à la gueule. Ils veulent pas nous accorder un peu de visibilité. Donc allons m'aller, ils veulent faire des quelques. Dis-le en plein essor. Elle est où la télé? Elle est où la télé? Ah bah oui, on commence à être loin là maintenant. Que tout va bien. Mais tout va bien. On monte dans les sondages et tout. Il y a pas de gilets jaunes, tout va bien. Et après, quand il y a le président italien qui vient un peu se mettre des affaires, ah non, mais il va se mêler les affaires des autres, d'accord. C'est à Dreux pour la yo, visite yo, du castaner. Yo, pas de l'autre côté. Yo. Yo. Il est CRS. Yo man. Viens là, Louis, viens là. Il a la quel connard. Voilà, donc en fait on se fait. Allez, allez toutou, suis le maître. Bah parce que ça y est, il y a presque plus personne, ils sont plus trois. Ah là 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 là, c'est grave. À Dreux, dans l'Eure-et-Loir, on venait accueillir Monsieur Castaner, mais il se trouve qu'on est en train de nous dégager très très loin. Il y en a qui sont assez cool, mais il y en a. Ah mais lui il se prend pour un cow-boy lui. C'est Rambo des bacs à sable. Ah bah nous voilà arrivés à Noz. On va aller faire les magasins hein. Non mais c'est pas le bon parking non. On va avancer où là? Je vais être en retard au taf. Merci monsieur.
C'est un d'urgence, c'est un policier. On nous empêchera pas de manifester. Non mais là ça devient chiant, on va trop loin. Ils sont un grand monsieur là. Oh putain, il fait le double de ma taille. Tu mets un coup de boule, c'est dans les abdos, coup de boule, mon gars. De ouf. Un coup de boule dans les abdos. Ouais, tu m'étonnes. Et encore un peu de chance près, je pourrais ne pas tomber au bon endroit. Ils veulent pas que je perde. Non, mais on est dans une grosse. C'est quoi le mec qui est tombé ? Avancez par la suite, là. Ah, dénonce pas. On va y aller, nous aussi. Mais, c'est une blague ou quoi, là? C'est une nasse. Mais pourquoi on est coincé là? En fait, là-bas c'était bien, au moins on voyait. Mais c'est quoi cette histoire? J'aurais pas dû venir, hein. Je crois que je vais pas aller au taf de la journée à cette heure-là. Bah là, parce qu'après s'il descend au comité. Donc mes chers amis, je prends la parole pour informer les autres plateformes qui ne peuvent pas me lire sur Facebook, donc Periscope, YouTube, Twitch, VK, j'espère n'en avoir oublié aucune. Donc je vous informe que depuis ce que je suis arrivé à collecter comme information, ces gilets jaunes étaient présents pour la venue de Castaner à Dreux. Donc ça se confirmera de toute façon dans la journée. N'hésitez pas hein, si vous avez des infos. Mais voilà, les autres plateformes qui ne peuvent pas me lire sur Facebook, sachez que ces gilets jaunes étaient présents pour accueillir Castaner, apparemment pour une intervention à Dreux. Bonjour, il y a un message au chef tout de suite hein, pour le prévenir que... Il y a plein de grands monsieur habillés en bleu qui vont pas me laisser partir pour aller travailler. Envoie-lui une photo, il va comprendre. C'est grave de nous parquer comme des chiens comme ça, franchement. Bah ouais, mais ah, il y en a plus. Alors qu'on a rien fait, quoi. Mais rien. Allez vite, ils vont nous en chercher là. Ah, elle a pris un coup de casque. Dreux, 28, arrêt noir. Ils sont 200, mon gars. Blocage, Macron, dégage. Macron, dégage. Blocage, Macron, dégage. Eh, Nico. Bah, il l'a pas, il est caché sa matricule. Eh, mais moi j'aime pas être en cette place. Et là, ils sont en train de se faire. Mais c'est quoi ça? Ouais, ça vient. Venez nous taper dessus, venez nous gazer, il y a 500 personnes qui regardent. Allez, venez. Regarde, non mais sérieux. Ouais, c'est bon, hein. Allez. Je vais partir. Et voilà. Ah bah non, faut que je refasse la photo avec les camions, c'est plus marrant. Carrément. C'est plus marrant. On peut absolument rien faire, ils sont en train de nous bloquer de partout. Et voilà. Voilà. À liberté d'expression. Ils ont pas pour venir ici quand même. Ah bah je commence à me sentir. Il y a personne qui a des contacts dans l'avocat là. Pas pour des moutons comme ils ça. Ils ont pas le droit de nous bloquer comme ça. Il faut en contacter un, ils ont pas le droit de faire ça. Liberté, liberté, elle est où la liberté? Personne. Elle est où la liberté? Bah non, bah tant que le ministre de la Cour. C'est à Dreux. On attendait monsieur Castaner, mais on n'a pas eu l'occasion de le voir.
On s'est fait parquer. Ils nous ont repoussés à 2 km de là et ils nous ont parqués comme des moutons. On peut absolument pas bouger une oreille. Si on a le malheur de bouger, on se mange des coups. Ils nous poussent comme des bâtards avec leurs boucliers. On va être fusillés pour l'exemple par la Gestapo. Faut appeler un avocat. Ils ont pas le droit de nous faire ça. Hey, ça dit. Et toi? Bah écoute, comme tu le vois. Ah, ça c'est beau ça. Bien. C'est bien. Dommage, il aura pas l'occasion de m'avoir. Ah non. Du coup, t'as pu l'envoyer par la poste. Ça peut être pas mal. Soulève-toi. Droit. Debout. Soulève-toi. Droit. Debout. Il faudrait qu'on en contacte un, ils sont pas loin de nous bloquer comme ça. Bah j'en suis dans mon téléphone, mais perso j'en connais pas. C'est les numéros du secteur ou pas? Je sais pas si au moins ils interviendraient ici. État policier, on nous empêche pas le droit de nous bloquer comme ça. Tout le monde me dit qu'il faut qu'on prévienne un avocat. Ah, je sais pas. C'est qui s'occupe du groupe de Dreux? On ne peut pas sortir. Alors là, on est en tout à l'heure, il y avait le grand. Je crois que c'est pas. J'étais avec Christine tout à l'heure, je sais pas où elle est. Non, mais là, ils nous ont divisés. Hein. T'as vu, on est plus nombreux là, par rapport à tout à l'heure. Il n'y a plus personne. Ah, attends, il y a un numéro d'avocat là. 02-37-62-26-57. T'as de quoi? Lui, il a le petit Renoir là, il vient souvent à Coco, je crois. Ouais, moi aussi fois, je l'ai déjà vu. Mais lui c'est pas le plus méchant. Non. Mais j'ai déjà vu plusieurs fois. Là. Depuis tout à l'heure, il a pas été violent, je l'ai pas vu s'énerver. Oh, l'autre, le grand con, il a pas rigolé hein, quand il a dit machin, il a dit quel démon. Ah, les connards. Bah, lui il a pas une sale gueule aussi. Ouais, grave. Non, mais il y en a un tout à l'heure, il m'a éjecté avec son bouclier, le bâtard, je sais pas c'est lequel. Mais laisse tomber, hein, sans pitié. Attends, je note, j'essaye de noter le numéro. C'est plus gros que le canon, mon gars. L'avocat, il est où? Mais. Là-dedans. Merci Chacha. Ah, il doit être serré là-dedans. Hein, le... Ouais, tu m'étonnes. Alors attends. Attends. Où c'est que je vais me caler? Tiens mon téléphone 2 minutes s'il te plaît. Oh, tête de con, on vient te chercher chez toi, Emmanuel Macron, oh tête de con. On est à Dreux, dans le 28. On attendait Monsieur Castaner qui est déjà... bah, qui est dû arriver, mais très loin de nous maintenant. Tu sais qu'il y a un téléphone. Allez, où maman? Parqué comme des moutons. Tu leur as dit qu'on est en gros en garde à vue à ciel ouvert sur le parking de Noz. Ils nous parquent totalement et qu'on peut rien faire. C'est celui de Dreux, c'est Chacha qui me l'a envoyé. Ah,
T'as qui, un avocat ? Merci, ouais. Bah oui, attends, y a pas de raison, ils nous enferment comme des chiens là. Bah j'ai pris plein de photos, plein de vidéos pour mon chef, hein, pour mon patron, pour mon take. C'est eux qui veulent pas que j'aille travailler, juste à traverser la route, mais ils veulent pas. 10h, il est quelle heure ? C'est con. 9h30. Ah merde, on attend 10h. Bon, ouais, ça ira à 10h. Ah, mais nous savons, on est tous devant le magasin Noz. Et le magasin Noz, c'est une chaîne de magasins. Alors si on chantait un petit peu, caca, pipi, capitaliste. Caca, pipi, capitaliste. Caca, pipi, capitaliste. Caca, pipi, capitaliste. Allez avec nous, messieurs. Oh. Non mais sérieux, ça va, il est pas trop dur leur taf à eux. Hein. Franchement, payer rien foutre. Ouais. J'aime bien mon petit castor. Ouais, elle est sympa, j'aime bien moi aussi. Ouais, carrément pas mal. Je veux faire caca. Moi aussi j'ai envie de faire pipi, non, on fait comme ça. Vous n'avez pas les toilettes dans le camion ? On peut aller entre deux sièges. Je suis entre deux banquettes dans le camion. Non, celui-là, il est beau, celui-là. Je suis sûr qu'ils ont les chiottes dedans. Ouais. Il est pas sorti, il est pas sorti. 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 Il est où le registre de garde à vue, Consigne ? Ouais, il est où le papier ? Ils ont fait une prison en plein air. Ouais. Comme les juifs. Ah non, des fois, mais qui ont fait. Ah bah moi, je tous en photo 10 fois. Mais. En vidéo, en photo, en tout. Partagez, les amis. La dictature. On a même plus le droit de circuler. La gueule de la liberté, égalité, ouais. Il n'y a plus de liberté. Les toutous à Macron. Ah merde, bah, assis-toi, si tu tombes en moins haut, du coup. On peut prier. On au lieu d'être prier, avec nous, ils sont contre nous. Ah bah nous, non, on n'a rien. Le chef, il marque. Bah dis-moi, à quelle heure tu penses être là ? Ouais, bah. Bah là, tout de suite, ça va être compliqué, là, je crois. Il y en a pour la journée, là. Ah Ludo, il a réussi à passer au travers, l'enfoiré, il est où ? Vas-y, viens nous faire un coucou ! Ludo ! Ah Ludo ! T'es où Ludo ? Ludo ! Vous êtes fatigué ! On n'est pas fatigué ! Vous êtes fatigué ! On n'est pas fatigué ! Vous êtes fatigué. On n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué. On n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué. On n'est pas fatigué. On n'a plus besoin d'aller à Paris, hein. Pas besoin. Ça se passe partout maintenant, en fait. C'est un peu ça, ouais, les poussins entourés par les coqs. Les coqs sont pas très sympas. Ah oui, puis Emmanuel, il téléphone.
Bien, je suis tard le soir, je suis parti à 19h et 18h20, c'est bon. Ouais, ben, à cette allure-là, ouais. Voilà, eux ils ont des prix, mais moi je vais perdre ma matinée, bande de connards. Ah, voilà. Et ouais, voilà. C'est comme ça que ça se passe maintenant. On est à Vernouillet sur le parking de Nose. Au Corvée. Putain, y'en a qui arrivent voler. Pourquoi il est fait à toi? On peut pas, il bloque partout. Là, il bloque là. Et bloque là. Et tout autour. On est carrément coincé, on peut plus rien faire. Ah oui, je comprends avec le boulot, je dois y aller, mais c'est... Ok. Ouais. Parce que ils ont coupé les lives. Ah ouais, il est brouille. Il est brouille. Bah écoute, pour le moment, ouais, ça marche nickel. Moi j'avais un live, j'étais en live aussi. J'ai un copain, il est élu de Dreux, il est à mairie. Bon, bah espérons que ça va pas bloquer. Il peut pas prévenir quelqu'un, puis je vais chercher de prévenir la presse. Mais bien sûr que c'est trop facile. Vas-y, on est combien là? Ils nous ont enlevé tout le monde. Au départ, on était 5 fois ça. Ah bah, on est arrivé au rond-point, ils nous ont repoussé avec leurs boucliers, repoussé, jusqu'à ce qu'ils nous bloquent, ils nous ont entourés. On n'a rien pu faire. Vous êtes où, les gars? C'est à Dreux. Vous êtes où, Chartres? Non, non, cours! Basic Fit! Chartres, rond-point du Basic Fit! Chartres, pas dans les détails, parce qu'on est poisson. Chartres, debout! Soulève-toi! Chartres, debout! Soulève-toi! Dreux, debout! Soulève-toi! Dreux, debout! Soulève-toi! Vernouillet, debout! Soulève-toi! Non, ils vont pas se soulever, ils ont peur! Ils ont tous peur! Ils ont peur d'être comme nous ici! Bah, c'est pas grave, vous pouvez chanter un autre truc! Allez, venez les amis, venez nous aider à sortir maintenant, putain! Venez faire diversion! C'est mort, j'enlèverai pas mon gilet. Ne nous regardez pas. Rejoignez-nous. Ne nous regardez pas. Rejoignez-nous. Ne nous regardez pas. Alors, on n'a pas le droit de s'appuyer sur les voitures, hein. Il y a plus de sourire par là. Ouais, ouais, ils sont l'air plus gentils de ce côté-là. Là aussi, ça repart dans les têtes de coups par là. Non, ça va encore, enfin, ça dépend. C'est moi. Mais attends, je me rappelle plus lequel qui m'a éjecté tout à l'heure, je suis en train de le rechercher. Ah, je crois que c'est lui là-bas, là. De cacher encore derrière. Non, non, c'est lui là-bas, là. Bah attends, pourquoi pas. Lui, c'est un gros bâtard. Avec le bouclier, là. Ouais. Lui, il est méchant, lui. Ça se voit à sa gueule, de toute façon, que c'est un enculé. Lui, ça va. À peu près. Lui, il a pas une tête de méchant. Ouais, c'est... Il m'a marqué abattre dès que tu peux, t'inquiète, il m'a marqué le chef, ça va. Ah bah ça va. Dis-lui si... arrivé dans combien de temps? Bah je sais pas quoi, ils ont décidé de nous laisser partir. Dis-lui si ils ont savoir, ils savent pas eux-mêmes qui regardent le live. Ouais, au pire. Il va savoir. Au pire. Il va voir. Il m'a dit bah ok, moi t'inquiète. On a presque le même pantalon. Ouais. Putain, les bâtards. Y'a qu'un noir ou? Non. Y'a pas mon fils, là? Non. Quand même.
Ah oui, t'inquiète, je me méfie, je me méfie. Pourquoi le monsieur avec sa caméra a réussi à rentrer? Je sais pas. Qui avec sa caméra? Il y a un monsieur avec une caméra là. Ah oui. Ah, bah j'avais même pas vu moi. Il y a LCI. Ah bah alors il laisse rentrer des gens mais il nous laisse pas sortir. C'est quoi ce bordel? Ouais, mais ça y est, il est niqué, il sort plus. Ah bon? Tu rentres mais tu sors plus. Macron, t'as interloupé du boulot et des CDI. Macron, démission. Ça va être en direct. En direct, en direct. De quoi, de LCI? Installer en enfer. Ça c'est pas mal ça. Minala en prison. Téléphone LCI. Ouais, fais voir ta pancarte, maman. Je sais pas si la voix est là. Je sais pas. Ouais, je pense. Faut descendre là un peu. Sinon, faut que tu te la mettes sur le côté. Je pense que c'est mon tour, moi je monte pas. Ah non, on est parqués. On est en garde à vue à ciel ouvert, c'est dégueulasse. Démission, Castaner. Démission, Castaner. Démission, Castaner. Démission, Castaner. Démission, Castaner. Démission, Castaner. 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 Démission. Putain, qu'est-ce que je dirais bien, nique ta mère quand même. Oh putain. Mon film pour toi, là. Hey, t'as vu que c'est la même, c'est éclaté. Je vais faut qu'on chante, on va les épuiser. Lui qui rigole, on va leur faire va. Mal à la tête. Hein? Lui qui rigole, ça va, mais qu'elle rigole pas, elle a l'air méchant. Ah, qu'elle rigole pas, elle a l'air méchant. Qu'elle rigole, ça va. Mais. On est nassé. On les lâchera pas. Merci. Eh bien, Mimi, viens. Un chef, mon Mimi. Allez, la presse avec nous. Là, on a les journalistes. Manu, il est à Mimi. Une femme, c'est fini. La loi travail 49.3, on n'oublie pas, on pardonne pas. Loi travail 49.3, on n'oublie pas, on pardonne pas. Il a le rythme dans la peau, lui. Ouais, allez, le taquet. Toujours, partout, tout le temps. Ah, j'adore. On va faire The Voice, lui, bientôt. Il tire en silence. Il y a vraiment des entraînements, il est en train de s'avouer.
Ah, il y a comment elle s'appelle de Saint-Rémy, la dame, là, je sais pas comment elle s'appelle. Celle du bar. Qui a un commerce, elle est là-bas. Ah bah elle était avec nous tout à l'heure. Ah bah oui, elle s'est pas fait remarquer, elle a de la chance. Hein ? Elle était avec nous pourtant tout à l'heure. Sérieux, ça doit vraiment pas être mauvais. J'ai mal au dos en plus, là, rester statique. Non, je t'ai dit, il est gentil. Ouais, c'est le seul qui a pas mis de vent, c'est le seul qui a pas mis de nous casser la gueule. Ouais, c'est le seul qui veut pas nous taper dessus. Tous les autres sont réels. Bah après, ça va, ils ont des petits gants là-bas. Après, ils ont des gros gants, mais ils défoncent la gueule. Mon gars, tu comprends rien. Par contre, soit c'est une petite Marseillaise quand même. Quand on était pris sur la place, vous avez prévenu un avocat? Vous avez prévenu un avocat? Ils ont le droit de faire ce qu'ils font. Sérieux? Ouais. Oh les bâtards. Personne n'a des contacts avec les cités là. Mais je vais faire une quête pour qu'ils payent mes heures. Ça rigolerait un peu moins. Ah j'avoue. Là, on va faire une petite cagnotte, je vais faire le tour, faire une cagnotte, ils donnent une petite pièce chacun pour payer les heures que je perds. Bah ouais. Bah ouais, là je perds mes heures, s'ils me donnent tous 5 euros, c'est bon, je vais gagner ma journée. Hein. Envoyez un message à Soso qu'elle nous envoie du monde là. Ça va péter. Si elle est au taf, elle peut leur dire. Ça va péter. Ça va casser. Ma balle dit sur le camion, mon gars, elle s'est décrochée la mâchoire. Il vient de bailler mon gars, il est en train de s'endormir. Au moins il est assis lui. C'est clair. Non mais c'est pas grave, ça va les fatiguer un peu pour demain. Ah ouais, non mais franchement. Ah ouais? Bah c'est dégueulasse, pourquoi on devrait enlever notre gilet? Si je te laisse pas là, là ils vont taper, c'est bâtard. C'est sûr, ils vont cogner à la fin. Ils vont se vénérer, ils vont cogner à la fin, c'est sûr. Moi je te laisse. Non, on a appelé un avocat, apparemment il peut rien faire, ils ont le droit. C'est grave, hein? Ils ont le droit de tout, de toute façon maintenant. Ils ont le droit de nous taper dessus, ils ont le droit de nous enfermer. Ils ont le droit de tout. Ramenez-nous de la bière, les gars. Il y a quelques semaines, j'ai fini avec un œil au beurre noir. La preuve qu'ils ont le droit de tout. Je fais 1m50, les bras levés, 50 kilos. Et ils tapent. Contre la loi travail, on n'oublie pas la loi travail qu'ils nous ont fait. Les 10% d'heures supplémentaires au lieu des 25%. On n'oublie pas ça. Au pied, il a dit. Il a dit au pied, ici. C'est ça, les collègues. Emmanuel, ça va? Ils nous prennent en photo, sont contents. Bande de... Oh, je me retiens. Puis la police, c'est pas con, Max, ça pourrait être marrant. Il arrive à l'école. On est à Dreux.
Non, mais bah, oui, tous les services, les précaires sont arrivés. Pourquoi? Parce que là, t'as parlé de travail. Tous les privés d'emploi qui rejoignent le mouvement. Ouais, non, mais... Les retraités. Je sais, je sais. Les précaires, l'intérimaire, privés d'emploi, les retraités. Pour tous les mouvements. Pour tous les gens auraient. Ça va, les séditieux? Ça va, les subversifs? Ça va? C'est une des résultats d'enquête. La KO? Bon, je veux pas vous dire. Tout à l'heure, à côté de la maison de quartier. Pas loin de la maison de quartier. Ah, voilà. Bah, on peut balance. Balance pas les copains. Bah, on bloque rien, on se fait bloquer. Elle vous appelle, elle fait passer le message. Où ils sont? C'est l'autre qui t'a poussé avec le bouclier, il a vraiment un regard de mort. Il a l'air très méchant, ouais. Il a l'air méchant, le monsieur. Regardez, là, j'étais pendu en train de le regarder, il va quand même regarder le travail. Regarde-le, regarde comment il dévisage les gens. Regarde-le. Ah, lui. Il a mis leur tête par là. Bah, tu sais qu'il y en a. Ils sont là pour ça. Lui, j'aime bien, lui, derrière. Ouais. Lui, là, j'aime bien. Viens, moi, viens, l'autre là-bas. Tu fais comme eux quand ils font. Ils ont des couches. Oh putain. T'as fait comment? Mais oui, moi je pourrais entre les deux potes. J'ai qu'éblé là-dedans, moi. Bah sinon, ils vont te laisser faire un bisou, ils vont pas te laisser repartir. Ouais, c'est mort. Vous rentrez, vous sortez. Oh, mais laissez-le tranquille, il est gentil. C'est mon fiston par adoption, laissez-le tranquille. Il vient nous soutenir, il est gentil. Non, écoute, laissez mon fiston par adoption. Qui vient pas coller, c'est tout. C'est un gentil. On est tous en même temps, on est tous gentils. Moi, je t'allure là bientôt. Pourtant, il a dit qu'il fallait aller à Pôle emploi pour chercher du boulot, on peut même pas y aller. Bah, il peut même pas aller au boulot déjà. Je vais peut-être y aller à Pôle emploi. C'est dommage. À Pôle emploi, il n'y a pas de boulot. Non. Ah, j'en ai un. Vous embauchez pas dans les CRS? Ah bah franchement, je le ferai pas. Ils sont trop petits, moi. Frappeur. Je suis trop petit, moi. Je suis sniper, frappeur. Je sais tirer au LBD. Je sais tirer au LBD, au lacrymogène. Non mais t'as pas la taille, t'es trop petit pour entrer dans les CRS. Il vient de nous dire il n'y a plus de taille. Ah, y a plus de taille. Ah oui, tu peux pas entre les jambes des grands. Voilà, il vient de nous dire il n'y a plus de taille. Non mais quand t'es petit, c'est pratique aussi. Oui, aussi, hein. Mais bon, il y a des avantages. Et... Tout a un avantage et des inconvénients. C'est ça. D'être grand, c'est pratique, mais il y a des inconvénients. Ouais, c'est ça. Le meilleur, c'est d'avoir les pieds qui touchent par terre. Ouais, c'est ça. C'est le principal. Si t'as les pieds qui touchent par terre, c'est bon. Il parle de pinard, machin. On va ce côté-là, ça, ils sont. Ah oui, mais ils veulent de l'eau, pas? Non, merci, c'est gentil. Ah oui, mais à vous, là. C'est le seul qui a une bouteille d'eau. Tout le monde qui a pris une bouteille d'eau, alors il faut plus. J'attends. Yes. Au moins une. Ouais. Au moins poser la question. Ouais. C'est le seul qui a une bouteille d'eau, alors il faut plus. Alors c'est ça que m'a fait. Et on va rester là jusqu'à quelle heure là? Putain, je suis dégoûtée d'avoir loupé l'autre PD là. Putain. Ouais, c'est pas marrant. Là c'est mitigé, mais alors là par là-bas là. Par là-bas ils sont. L'autre là-bas là c'est un pourri. Avec son bouclier là, chauve là, avec son. Là, en fait, là, lui c'est un pourri. C'est la presse. C'est la presse. Oh,
Pas beaucoup, hein. Viens te chercher chez toi, Emmanuel Macron. Président, mais pas trop. On vient te chercher chez toi, Emmanuel Macron. Président, mais pas trop. On vient te chercher chez toi, Emmanuel Macron. Président, mais pas trop. On vient te chercher chez toi. Les deux là, ils ont pas l'air aimables. Les deux frères. Ils ont pas l'air aimables. Faudrait qu'on fonce tous là. Vas-y, ils sont pas assez nombreux. Si on fonce, on passe. Ce qui est marrant, c'est qu'ils sont mis à 4, je crois. Ouais, Romu, il arrive. Ça marche. Sûrement, je sais pas où il est maintenant. Oh là 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 là, ça me fatigue. Il y en a comment ils te regardent de travers quand tu les filmes. Ah bah ils aiment pas ça. Du travail, non, non, c'est pas de résistance. On en a fait la note, elle avait pas d'avocat sous la main. Oh merde. Bonne question. C'est qui la racaille? Alors dehors ce gouvernement qui casse nos grèves et le code du travail, qui nous matraque et qui nous gaze. Et c'est qui les casseurs? C'est eux les casseurs. Et c'est qui la racaille? C'est eux la racaille. Alors dehors ce gouvernement qui casse nos grèves et le code du travail, qui nous matraque et qui nous gaze. Donc là on est en direct. Nous attendons. Enfin, non, nous sommes. Non, je sais que j'en ai d'autres. On attend quoi? On ne sait pas. Non, là, il va en plus. On en a pas un, mon 7h. Coup de boule! Celui-là, je sais pas ce qu'il veut. À fond. Tiens, essaye le numéro là. 0221. On est des moutons. 00. Les claqués. 14. 16. Elle avait pas d'avocat sous le bras. Même s'ils me laissent partir, je peux pas sortir. Ils ont bloqué la voiture, je suis derrière là-bas, c'est connard.
Oui, bonjour, monsieur. Bah oui, même s'ils me laissent sortir, ils sont tous garés là-bas, je ne peux même pas passer, je ne peux même pas sortir la voiture. Bye. Je ne peux même pas sortir la voiture. Les CRS nous ont embarqués à ciel ouvert. Venez nous rejoindre. Si on arrive à être assez nombreux, on pourra passer. Allez les gens, on est à Dreux. On attend tout le monde, Nenancourt, Saint-Lubin, Saint-Rémy, Dreux, Chartres, Verneuil, tout le monde. J'ai ramené du monde, Chartres. Mais pas tous. Il a mobilisé ce qu'il fait. Bah oui, je me doute. Alors, j'ai coupé tes petites. Chez nous, on n'est pas nombreux non plus. Vous êtes d'où? Nenancourt. On parle avec un groupe. On n'est pas nombreux non plus. Bah, si je passe là, je peux même pas sortir plus loin, mon bloqué là-bas avec la voiture. Bah, c'est ça. C'est quoi, 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 tu m'as donné, c'était le numéro d'un magasin. Ah, oh merde! Bah c'est qui m'a donné le numéro d'un magasin? Il me dit oui, allô, bonjour. Alors je dis voilà, on est gilets jaunes, on est à Dreux, gna gna gna. Bah, il me dit je sais pas, je peux pas me bourrer le pouce, je suis pas juriste. Comment ça? Je lui dis vous êtes pas avocat. Il me dit non, je suis responsable d'un magasin, on va pas. Oh merde, bah si vous me donnez des numéros de magasin aussi on va pas s'en sortir. Mais non, on n'est pas assez nombreux là, il y a que dalle, il faut plus de monde pour forcer. Bah ouais, c'est ça, il faudrait qu'ils les entourent de l'autre côté en fait. Emmanuel Macron. Il y a les pompiers au vélo. Il est arrivé là-bas. Bon, mes amis, je suis là. Je suis désolé, hein, j'étais sur d'autres publications.
je vais donc couper ce live et je vais, alors on va enlever ça, ce que vous voyez à l'écran quand même. Alors ma couverture, voilà, elle est là, elle est là, ma couverture, voilà. Donc mes chers amis, je vous souhaite une bonne journée. Peut-être que j'ouvrirai un live tout à l'heure avec comme d'habitude vos commentaires qui s'affichent à l'écran. Voilà, je coupe ce live pour pas faire de longueur et on se voit soit tout à l'heure et soit de toute façon ce soir pour mon live d'éveil, d'information, d'actualité habituelle, surtout à la veille de l'acte 13 bien entendu. Et voilà, je, tous les travailleurs, j'ai vu tout à l'heure Élise Cuté qui a entre deux pendant qu'elle travaille nous a rejoint, s'est renseigné donc sur ce qui s'est passé, ce qui se passait pour l'arrivée de Castaner donc à Vernouillet, à Dreux. D'ailleurs je vais vous mettre en image là dans les commentaires une capture d'un journal pour l'arrivée de Castaner que je n'ai pas pu mettre sur le live. Les lives empêchent le partage d'images. Voilà, tout ça pour te dire bon courage à ceux qui travaillent, vivement que vous soyez en week-end ce soir. Et de toute façon, je dis à tout le monde, à tout à l'heure, à ce soir.